Ok, là faut que je draine, mais faut que je draine à mort là. Ouais. J'arrive à court de mana. Pas bon du tout ça. Ça, c'est vraiment les dernières gouttes de mana que je possède quoi. Donc j'ai le droit à un trait de l'ombre gratuit. Ça va le faire. Pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ouh! C'est quoi ça? Ouais, c'est pas intéressant. Mais. Wow! Ça, c'était du combat. J'espère que c'est enregistré. J'ai un doute. Oui, c'est enregistré, puis mon micro fonctionne. J'ai eu un gros doute là quand je l'ai tué. Il y avait rien en loot hein, dans la grotte. Parce qu'un combat comme ça, le jeu, s'il te plaît. Je voudrais pas qu'il me repop sur la tronche, s'il te plaît. Le jeu ne répond plus. Ah voilà. Ok, d'accord. Par contre, il repop vite l'enfoiré. Bon, ok. En tout cas, donc, y a pas de loot, y a pas de coffre, y a pas de. Voilà, y a rien. Attendez une seconde. Ok, alors par contre là, on a un souci là. Parce que la quête, elle me dit trouver la tanière de l'engelure, j'y suis. Et puis, il m'a pas détecté la quête. Donc, la vraie proie, pas scriptée. Putain, puis il y avait 50 ressources de fief là-dessus. Fait chier, hein. Fait vraiment chier.
Bon allez, on va essayer de passer à travers. Même si on aggro un petit peu. Pas bien grave. Salutations. Ah oui d'accord, donc trouver et tout, ah ouais donc ok, bon bah la quête est morte quoi. C'est débile. Et lui il a toujours pas apparu, donc bon bah écoutez, on va se diriger vers l'avant-poste et on va faire les quêtes de l'avant-poste. Parce que. Ah, attendez, quoi que. Il y a l'air d'y avoir des quêtes là. Les dévoreurs des éléments. Il y a une quête plus loin. Ça a l'air d'être là. Ok, par contre, le mec. Il n'a rien trouvé de mieux que de se mettre là-haut, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ok. La force vient du cœur. Ah d'accord, je pensais que tu étais en surbrillance en fait, non? Donc, non, c'est pas ce que je voulais. Là, il y a un cercle, là, c'est ça le truc de... Première partie du rituel terminé. Bon, ok. En tout cas, je suis sûr que les granules, c'est sur ces mecs-là. Par contre, ils me les affichent pas, alors. Mais je suis quasiment sûr que c'est sur ces mecs-là, donc. Combien il m'en faut 10. Ok, c'est peut-être pas ça en fait. C'est pas vrai, c'est quoi ces quêtes? D'accord, donc non, donc déjà je suis pas dans la bonne zone. Ensuite il y a ça, c'est quoi ça? Défendez Drakkar, machin. Bah écoute, t'es sympa, bah vas-y, fais-le ton rituel quoi, t'attends quoi? Allez, hop. Il n'y a que dalle, donc c'est pas scripté. Une de plus. Et on va se diriger là-bas.
Mince. J'ai pas activé le suivi des hauts faits pour la découverte de Givrofeu. Je vais peut-être la faire. Et bon, je suis en zone plus ou moins safe. Exploration. Draenor. Et. Exploration crête de Givrefeu. Hop. Voilà. Comme ça, on peut avoir le suivi de. De ce qu'on n'a pas découvert. Mais la crête de Givrefeu est assez grande. Ok. Ok. Je suis hors de portée. 22 000. Je Et suis trop loin. il en a rien à battre. Bon, lui, il est à 9 000. Regardez-le, l'autre, il s'en fout. L'autre, il tape dessus, il s'en fout. Dis-le si on te fait chier, hein. Putain, en plus, il drop même pas à 100%. D'accord, ok. Bon, écoutez, les quêtes me saoulent. Entre celles qui drop pas, celles qui sont pas scriptées, c'est chiant. C'est très très chiant. De toute façon, là, je dois arrêter de tourner. Donc voilà. Donc les quêtes de Draenor, honnêtement, je pense que pas trop comment on va faire, mais là je suis pas là, je suis pas mal emmerdé. Je pense plutôt que je vais attendre d'avoir 5 000 pièces d'or. Je vais essayer de d'avoir le surtout les quêtes qui donnent des personnages pour le fief, vraiment faire celle-là, se concentrer sur celle-là, et pour le reste on s'en tape quoi. Je vais me renseigner sur les différentes quêtes qu'il y a à faire. Je suis sûr qu'il y a un wiki qui renseigne tous les personnages qu'on peut avoir pour le fief et donc quelle quête faire, quelle suite de quêtes faire pour avoir chacun. Et sur ce, ben, je vous dis ben, à plus tard. Bon, donc nous sommes de retour. Alors plusieurs jours, hein, plusieurs jours après le dernier record.
Donc j'ai finalement trouvé le loup de givre là. Je l'ai donc c'était un mec. Je l'ai buté ici avec un autre joueur. Malheureusement voilà c'était hier soir et puis j'ai pas record. Mais je l'ai tué avec un mage qui passait dans le coin. Et donc cette quête là est faite et j'ai pris les quelques quêtes qu'il y avait ici. Donc il y avait tuer 25 mobs ici, ça je viens de le faire. Enfin je viens de le faire, ouais il m'en restait 2 ou 3 à tuer avant le tournage quoi. J'ai dû couper hier soir avant de terminer la quête. Donc voilà, Craig libéré. Donc ça voilà. Alors des bonnes et des mauvaises nouvelles. Enfin, surtout des mauvaises nouvelles en fait. Je me suis rendu... Alors, j'avais atteint les 5000 PO pour acheter la dernière compétence de monture. Je l'ai acheté et le problème, bah, c'est que ce n'est pas la capacité pour voler à Draenor. Je pensais que comme sur d'autres serveurs comme Atissa ou Warlord of Draenor, la compétence de monture était achetable en jeu via des pièces d'or plutôt que de te taper. Parce que normalement, pour déverrouiller la compétence de monture, je veux dire de manière totalement légite, il faut. Tac-tac, que je retrouve. Voilà. Voilà, ça, il faut avoir cette, ce haut fait-là, qui nécessite d'explorer tout Draenor, donc sans le vol. La sécurisation de Draenor, voilà, faut. Voilà, donc il y a des quêtes à faire. Zut. Toc toc toc. On va remonter. Mince, guide. Bref, il y a énormément de quêtes à faire en fait, dont la plupart, je suppose, qui sont pas scriptées, donc c'est mort. Donc, la deuxième solution, bah, c'est d'aller sur la boutique de Firestorm et de claquer 35 balles. Donc, Donc, eh ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. De toute façon, voilà, hein, j'ai moi-même tenu un serveur de jeu pendant des années et je sais que c'est difficile de rentabiliser un serveur de jeu. Donc, eh ben, je vais soutenir le serveur et acheter donc la compétence de vol à Draenor et à Légion, parce que pareil, à Légion, c'est le même bordel. Et en plus, j'aurai suffisamment de points pour m'acheter quelques PO, pour m'acheter jusqu'à 100 000 PO, je crois. Donc voilà, 100 000 PO que j'investirai directement dans mon fief. On va faire ça comme ça. Mince, il était à l'intérieur. Donc oui, donc c'était à l'intérieur de ce truc hein, qui était. Au résultat, je dois y retourner. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, pour la compétence de vol, je suis un peu dégoûté. Donc, ce qu'on va faire, c'est là, on va juste tourner un épisode. On va faire les quelques quêtes à Givrefeu. Et je vais acheter la compétence de monture avec de l'argent réel. Faire chauffer la carte bleue. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, il fallait que je monte, en fait. Ouais. Apparemment, non. Pas du tout, mais ça quand même être par là, je sais pas si bien. D'accord, ok, il y a des fufus. Peu peu peu.
Enfin, s'il y a des voleurs, je devrais plutôt utiliser mon... Oh, c'est pas vrai! Je crois que le serveur, il a... Alors, le serveur reboot aussi très régulièrement. Et sans préavis. Sans préavis dans le chat. Je pense qu'on y a le droit, là. Ouais, bon, bah, je vous reprends tout à l'heure près du boss qu'on doit buter. Bon, on reprend donc après un petit quart d'heure de coupure. Zut, j'ai oublié de réinvoquer ma succube, résultat. Et puis il tape fort en plus, hein. C'est qui tape fort? En plus, clairement, l'XP des mobs nous indique qu'en plus Draenor, ça commence vraiment à être trop bas level pour nous. Donc, alors. Ah, j'avais pas vu le nombre de points de vie. Ils ont 11 000 points de vie en fait. Ouais, ça commence à taper, hein. Attendez, en... Ouais, attendez, je rebalance mes dots. Et je regarde un truc. Est-ce que j'ai fait aujourd'hui... Non, tiens, je l'ai pas fait. Je vais faire ça. Alors, oui, j'ai... Ma couture en Pandarie. J'étais farmé rapidement la Pandarie. J'ai tous les patrons de la Pandarie. Ça, c'est bon. Et par contre, voilà, hop. On va créer le secret de Draenor pour aujourd'hui. Et donc je suis en train de... Je suis actuellement sur les... Sur les patrons de la... De la... Comment? De la... De Draenor. Alors, ouais, on va parler du fief aussi tout à l'heure, qu'on y retournera. Le fief est complètement buggé. Il y a la moitié des trucs qui sont pas scriptés, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est très chiant. Donc on est un peu bloqué sur le fief, hein. Je vous avouerai, il y a des choses qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir. Purée. Ça drop pas en plus. Oh mais c'est pas possible. Puis serveur lag. Mais d'une violence. Alors, il est pas où? Ils disent qu'il a l'air d'être par là, mais... Donc en fait, si, il fallait que je sorte dans tous les cas. Bon, allez, hop, on va un peu rush. Ok, il est là-bas.
Alors, le truc, c'est est-ce qu'on peut... Ok. Oh putain. Non, bah, là, c'est mort, là. Là, c'est complètement mort. Voilà. Ah bah c'est lui en plus. Ah bah c'est bon. J'ai réussi à l'extraire de son groupe. Je pensais que c'était un des mobs qui l'entourait, un mob random, mais non, c'est lui. Donc c'est parti. Tiens, on va même utiliser ça. On va aller quitte à faire. Et... Bon, c'est une petite canne de corruption quand même. Par contre, là, faut que je draine. Hein. Là, je suis un peu mal en vie. Bon, ça va. Je suis remonté à 11 000. C'est bon. Ah oui. Non, c'est pas lui. Ok, c'est de l'autre côté du camp. Je vais mettre la map parce que... Hop. On va faire le tour par l'extérieur, hein. Je pense que ce sera plus simple. Ok. Alors, il y a un mec soi-disant à libérer ici. Alors d'accord, sauf qu'il vient de mourir. Donc en fait, il se fait tuer en boucle, je pense. Ouais, c'est la galère. C'est bon. Pareil, mes bandages d'Eolène finalement commencent à plus vraiment avoir l'efficacité que qu'il devrait avoir. Ok. Ok, là il a respawn. Putain, il s'est refait buter, j'y crois pas. Donc ok, donc... Donc ok, donc on a le personnage qu'on doit libérer qui est au milieu des autres mobs. Ouais, mais non.
Ouais, c'est pas mal chaud, hein. Bon. Normalement, à ce que j'ai compris, il apparaît ici, hein, c'est ça? Après, j'ai ce truc-là ici. Non, c'est pas lui. Ok, par contre, il... Ok, ça a l'air d'être lui. Ok, c'est bon. Ah, j'ai raté mon crépuscule. C'est pas ce sort-là que je voulais, c'était celui-là. Là, je suis mort. C'est bon. Ouh. Heureusement, ce deuxième démon, il est efficace. Je vais me mettre dans une zone un peu safe. Petit loup là. Et il a. Après, je devrais me faire des bandages en... Je pourrais hein, me faire quelques bandages en... Quelques bandages de Draenor. Ah, il y a 1000 de vie. Ouais, allez, je vais me faire une vingtaine de... De bandages de Draenor. Et puis comme ça fera monter ma couture en Draenor. Par contre, ça me consomme des fourrures somptueuses. Qui, bah, je dirais pas que c'est chiant à farmer, mais c'est chiant à farmer. Voilà, allez, hop. Voilà. On va utiliser ces bandages-là à partir de maintenant. Non, pourquoi j'ai mon coursier du vent? D'accord, donc on va aller les rendre. Par contre, j'avais pas... Si, j'avais découvert normalement là-bas. Toc, toc, toc. Bon. On va aller voir les quêtes qui sont là-bas alors. Mais cette zone-là, voilà, il y avait quelques quêtes à faire ici. Et je dois vous avouer que c'est un petit peu... ouais, c'est un peu stressant parce qu'il y a vraiment des ennemis partout. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a des alliés qui réagissent. Donc ça, c'est une zone qui... Ouais, qui est assez cool ici. Ah! Je vais te révoquer, toi. C'est bon? Bon. Attendez, parce que par contre ça me chagrine. J'étais sûr d'avoir découvert ici. Il y a un POI que j'ai pas dû... Ok. Donc là. Je vais juste découvrir... qui me manque. Non, pas l'air de pouvoir monter ici.
D'accord, c'était dans la zone dans laquelle on s'était quitté le dernier coup et que j'ai abandonné. Ok. Bon, il me reste trois zones à découvrir. Clairement en bas là. Et à mon avis, ici, ça fait partie ou... Ah d'accord, cette zone-là fait partie de des grèves, des crêtes de Givrefeu, donc c'est pour ça. Donc à mon avis, les trois zones qui manquent sont dans cette partie-là. Alors je sais que c'est à droite, hein, mais je voudrais découvrir un petit peu plus. Ok, passage du tonnerre, donc non, c'est toujours pas une des zones. Ouh. Oh la belle bête. Bon, on va aller rendre les quêtes. Mais non, à rendre. À la rendre ici aussi? Toc, toc, toc. Oui, hop. Je suis là. Nous combattons ensemble. Ok, défendre la créa... Ok, Pour d'accord. le clan. Bon bah voilà, bah c'est cool, moi je viens de gagner Pour l'humanité. 100 ressources là. Pour le clan. Ah non, Ok. Le sang des loups de givre est vigoureux. Hurlez avec les loups. Allô, oui? N'abandonnez jamais un frère loup. Donc celle-là, je dois la rendre, mais je dois la rendre où? Bon, je vais retourner dans la salle où j'ai récupéré la quête. On va peut-être, c'est peut-être là. Mais ça fait chier parce que pour y accéder, c'est chiant. Et après, on retourne au fief. Alors, il se peut que le fief se désinstancie. Dans ce cas, il faudrait utiliser l'outil de géomètre. Pour réinstancier le fief, et on ne perd rien, hein. On ne perd pas les niveaux, on ne perd pas tout ça. Ok, on doutait. Par contre, c'est pas indiqué sur la carte. Ah d'accord, il y a d'autres quêtes. Utiliser de la poudre d'explosion roche noire pour détruire 5 canons. Et le maître Polyorset.
Encore un mob à tuer. Et visiblement en extérieur. Donc on n'a pas fini les quêtes qui sont ici. Ok, c'est au sud. On va faire ça. Ok. Bon, c'est bon. Requiert poudre. Ok, faut que je récupère de la poudre. Bon, déjà j'ai lui. Ah non, c'est eux qu'on les... C'est ça? C'est eux qu'on les poudre et c'est... Je dois en buter 5 pour pouvoir avoir le... À tous les coups, c'est ça. C'est moi ou il résiste mieux aux dégâts, lui? Attendez. Non. Non, donc je dois visiblement... Ouais, si, c'est ça, je dois dropper Je dois dropper des poudres. Et les utiliser sur le canon. Alors par contre, je voudrais c'est en agro qu'un seul. On va essayer d'aggro. Ouais bon allez. On va essayer d'en avoir deux. Ok. Ok. Ok, puis on peut fermer le même. Et plutôt cool l'animation. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Deux, ça va déjà mieux. Attends, excusez-moi. Ah. Ouais, excusez-moi, c'est mon chat. Comme d'habitude, à chaque fois que je tourne. Bon. Ok, deux poudres de plus. Bah ça va, c'est une quête qui va se faire assez rapidement. Puis après, il n'y a plus que le boss à buter. J'en aurais pas chopé une troisième que j'aurais pas vue. Non. Non mais... Bon allez. Il a pas drop. Ok.
Ok. Et voilà. Maintenant, on va essayer de se faufiler jusqu'au boss. Non, ah, mais qui... L'efficacité, ça s'appelle ça. Je me fais... Oh non, mais c'est pas possible! Je me fais attaquer par un truc invisible. Oh, j'y crois pas, pas encore. Je suis hors de portée. Je suis trop loin. Je vais essayer ma succube s'en occuper. Oh, c'est pas vrai. Et puis mon chat qui demande à sortir. On va libérer le chemin. Et tant pis, même, allez, même limite, je vais essayer de faire ça, voilà. De toute façon, je me fais courser par un truc qui... Non, c'est pas ce sort que je voulais. C'est celui-là que je voulais. Je me trompe de sort. Voilà, m'en doutais. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, je mets en pause le... Et puis j'utilise ma pierre d'âme. Mais mon chat, là, il m'enquiquine. Bon, on est de retour. Pour vous, une fraction de seconde s'est écoulée. Alors. Ok, il est là. Succube. Et un peu de soin. Ok. Ah, il y a la mana. J'avais pas vu la mana, c'est vrai. Bon, 10 000, ça devrait suffire à le buter. Il a combien de points de vie? 23 000 points de vie. Ouais, quand même. Quand même. Par contre, lui, là, non. Est-ce que si je m'approche de lui, est-ce qu'il va m'aider? On va tenter ça. Oui, et puis pareil, je me sers jamais de l'appel aux armes, mais ça, c'est super pratique, ça. Pendant 30 secondes, je me fais aider par des guerriers, quoi. Enfin, par des PNJ guerriers. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, on va s'en servir. Alors là, par contre, ils sont un petit peu buggés. Je sais pas trop ce qui leur prend là. Bon, moi, je me concentre sur mes dots. Hein. Mais clairement, ça aide. Parce que je voulais, c'était drain de vie que je voulais. J'ai utilisé, hop, même si. Ok. D'accord, il n'y a rien droppé par contre. Mais c'est bon, cette quête là est à rendre aussi. Et ben voilà.
Il y a un autre joueur là. Je sais pas si je vais le foutre dans la merde, mais. Je trace, hein. Je m'en fous, je trace. Mais je perds en score critique. Je vais les mettre, mais ça fait chier de perdre en score critique, quoi. La Dorotan dans votre fief. Ok, on doit retourner au fief. Donc comme ça c'est fait. Et donc je disais les mules, hop, voilà. Alors, on va trier ça. D'accord, j'ai des os antiques, je sais pas trop à quoi ça servir. Je peux pas les stacker. Non. Bon, tout ça, voilà, c'est de la. Hop, tout ça c'est gris, donc on s'en fout. C'est gris, on s'en fout. Voilà. Alors, rouge, 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 on s'en fout, ça. Bah, c'est celle que j'avais, c'est ça? C'est celle que j'avais, donc ok. Hop, hop. Ça, c'est mort. Ça, non. Et j'ai ça. Non plus. J'ai pas mal de trucs hein, à combiner 10 fourrures somptueuses afin de restaurer cet objet, confère aussi 5 points de compétence. Ah, intéressant ça. C'est utilisable à volonté ou non, c'était utilisable que deux fois. Mais c'était intéressant parce que ça m'a permis donc. Parce que ça coûte combien une. Ouais, c'est 17 PO l'unité. Parce que la fourrure somptueuse, elle coûte, bon voilà, auprès des marchands, elle coûte 17 PO l'unité. Mais là, en combinant 5, ça vaut 9 PO l'unité. Donc c'est mieux quoi. Enfin, c'est. Là, ça me permet. Voilà, ça me fait une petite rentrée d'argent en plus. Bon. Donc fief. Tirer sur le fief. Et donc le fief, on va un peu en parler. Parce qu'il a un peu évolué depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Donc. Ok, vive le lag. Hop, j'ai récupéré les missions qui étaient parties. D'accord, ok, c'est des choses qui arrivent.
On a vu 40%, voilà, c'était juste de l'XP. Ok, bah ça monte, ça monte, ça c'est cool. Ok. Donc juste au niveau voilà de mes sujets, donc ça a un petit peu évolué. Donc j'ai eu notamment une Renard qui est en fait un contrat qu'on peut avoir en mission. Et Kala, il me semble que c'est pareil. Et les autres, ils étaient déjà là. Ce sont les natifs. Et sachant que Viviane vient en plus zut, d'Ashran. Donc voilà. Donc voilà pour le moment mes six sujets. Ah non, c'est pas, voilà, c'était celui-là que je voulais. On a nos chances. 81%. Allez. Why not? Et ici, il me faut un sujet. Puis, voilà, hop, on va l'envoyer juste pour l'XP. Voilà. Ouais, je vais récupérer hop. Bon, ça va, j'ai des ventes. L'étoffe de Hollen, il y en a qui part, il y en a qui revient. Ça dépend.